Mes mains sur tes épaules et toi tu fais. C'est quoi ton prénom? Virginie. Bah à ton tour, demoiselle. Fais ta grimace, tourne sur place. Tu sais tourner sur place ou je te fais tourner? Eh vas-y, tourne. Bah ouais. Oh là là! Mais c'est quoi ces demoiselles qui veulent qu'on les fasse tourner? Eh vas-y, fais ta grimace. Ah, c'est encore plus bizarre ça. On dirait que tu appuies sur les pour qu'elle fasse. C'est quoi ton prénom? Fanny. David. David, tu sais tourner tout seul? Vas-y, David.
un peu Popeye. Voilà. Elle y arrivera toute seule. Ouais, vas-y. Tu vois, au moins, elle, elle y arrive toute seule. C'est ta fille. Bon, qui vote pour que Virginie soit la plus horrible du champ de bataille? Elle est fermée, elle vote pour toi. 1. On a le droit de voter autant de fois qu'on veut. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 voix. Je sais rien de te cacher. 17. Fanny. Qui vote pour que Fanny... Ouais, j'ai même pas fini de dire la phrase, il y en a déjà qui votent pour toi. 2. 3, 4, 5, 6, 7, vote pour elle aussi. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34. 34. Désolé, retourne là-bas, t'étais pas assez moche. David ? Qui vote pour que David ? Oh bah là, c'est sûr, c'est gagné. Bon, à la louche. Ouais, chante à la louche. Non, non, retourne là-bas, Fanny. Alors maintenant, toi, tu votes pas pour toi parce que tu es. Qui vote pour que Célia soit déclarée grande vainqueur du champ de bataille? Alors, au fond, monsieur, lève-toi. Roger, Roger, la modèle, voilà. L'enfant, j'ai la main. Hé là, on lève sa main derrière là. Voilà. Mais la démocratie, c'est un truc de grec. Bon, plus ma voix, 952. Désolé David, retourne là-bas, t'es passé. Donc tu as gagné. Dans le dos. Ça veut dire qu'il faut y aller à fond, à fond, à fond. Et quand vous avez pris une fois le fléau dans le dos, vous faites tout après pour l'esquiver. Allez, Temuco, à fond, à fond. Vas-y, vas-y, vas-y. Ouais. Vive la jument! Fais gaffe, ça va se voir au bout d'un moment. J'ai dit d'applaudir le cheval. Oui, oui. T'as réussi. Ouais.
Backbone. Prêt. Bon, on remercie Alan McBrown, hein. Tu fais. On dirait moi numéro 2 quand même. Non, c'est toi moi numéro 2. Oui, parce que t'es arrivé après. C'est pas gamin, je te rappelle. J'attends, mais tu veux pas. Je me suis dit, ils vont en profiter de me bloquer pendant que je t'attaque. Ben non, ils ont attendu gentiment. Bon, j'avais tué Marien, mais il s'en avait pas rendu compte.
Le problème, c'est que là, on n'a pas mis de règle pour savoir comment, à part la lance, montrer qu'un cavalier est blessé ou pas. Non, mais c'était même pas ça. Avec un coup au passage, bah, c'est délicat. Hein. Ça peut faire une blessure, mais si c'est pas à la tête. Ouais. Moi, ça, j'adore. Attends, je lui dis, rends-toi, il n'entend pas. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas, c'est le mot qui est le cheval. Je fais ça. Je fais ça, pour moi, il est mort. Ah bah tiens, c'est pas tué réellement. Ah, un petit coup du lapin. Ouais, hein. Tiens, dans l'œil. Ça, c'est dans l'œil. Ça, c'est... Tiens, oh, t'as plus de bras. T'as le deuxième. Il remet droit. Et la tête. Ah, alouette. Allez, jambe. La deuxième jambe. Ah, dans le pied. Nickel. Il est trop là. Toi, t'as vu ton père faire, non? Oui, alors là, oui, c'est son père, là. Oh, il lui met de ses gâtes, non? Ça va durer bien plus tard, j'ai l'impression. Et stop, t'as vu? C'est le fils de qui pour savoir celui-là? Non, mais c'est pour savoir. Je ne suis pas responsable de tout. Ce mec, c'est qu'il est mutant quand même. Un bras, deux bras, la tête. Ça, c'est vrai. Tu continues à courir sur la tête. Depuis que l'année dernière, il a eu sa première petite épée en acier. Il a tout de suite commencé par la nettoyer, enlever la roue. Celle-là? Non, il l'a cassée la semaine dernière. Donc, j'ai prêté une des miennes. Moi j'aimais bien, c'est son désarmé quand même. Il a inventé un désarmé. Plus vite, feignasse. Plus vite, feignasse. Plus vite, feignasse. Plus vite. Plus vite, feignasse. Plus vite, feignasse. Il faut l'enlever là. Parce qu'on va frapper dans un trou. Allez, plus vite. On ramène le mannequin, on fait non, un effort. Mais pas les gens. Ouais, franchement, ils sont sympas là, le public. Georg se prépare à se faire taper. Ça fait quoi de savoir qu'on va mourir? Même pas peur. Même pas peur. Ah, juste un truc, vous pouvez quand même acclamer vos servants d'armes. Ouais! Petite interview d'Aïcha. Alors, ça fait quoi d'être rentré à Salvatera? Oh, celui qui a la chance d'avoir un destrier et une lance. Eh ben, elle répond pas trop. Hein. L'herbe est bonne, c'est bon. Ouais, je crois que ça suffit. Comme elle fait ça, star en fait. C'est pour ça. Oui, je ne suis pas pour les journalistes. Je me consacre qu'au public. Armement de cuisse, déplacement, hop. Alors, cette dernière attaque, on pourrait l'appeler l'attaque L. C'est-à-dire que la lame doit rentrer ici, et toute tranchée. Il n'y a aucun point de compression possible. Ah si, il y en a un. Il faut prendre son doigt, le mettre dans l'artère sectionnée et attendre que les secours viennent vous sauver. Je ne dis pas d'un point de vue esthétique. Ouais, mais surtout qu'il n'y a pas de pompiers au Moyen-Âge, donc vous allez se trouver tout seul dans votre coin dans une position ridicule. Bon, maintenant qu'on a appris les attaques, il faut voir les parades. Alors je vais donner juste le nom de l'attaque. Je vais dire tête, frappe, et vous faites vous la parade quand je dis frappe. Tête, frappe, hoi, hop. Tête, frappe, hoi. Épaule, frappe. Épaule, frappe. Inversé. Coup, frappe. Coup, frappe. Côte, frappe. Côte, frappe. Hanche, frappe. Hanche, frappe. Genou, frappe. Genou, frappe. Cuisse, frappe. Cuisse, frappe. Comme vous pouvez le voir, le défenseur est une grosse feignasse. Alors pourquoi on est des grands feignants quand on est des défenseurs? Regardez bien, si je vais chercher la parade quand on m'attaque, je vais faire ça. Taille ! Voilà, je suis mort. Parce que je lui ai donné la puissance nécessaire pour me réattaquer. Alors que si je reste en feignant, juste en me protégeant, je prends et c'est lui qui a mal. Donc je récupère l'initiative. Bon, lorsque l'on connaît les attaques et les parades, on va pouvoir faire comme quand on connaît les notes de musique. La musique, jouer sur des partitions. Eh ben nous, là, notre partition, ça s'appelle une séquence. Et la séquence va s'appeler par Saint-Georges, enfin par quelque chose. Et ça va faire coucou, tête, genou, enfin vous verrez la suite.
Maître Charles, Alain, vous montrez. Voilà. Bon, nous, avec Nicolas, on l'a un tout petit peu amélioré. On va juste changer deux, trois trucs. Ouais. Et on l'a un peu rallongé. C'est prêt ? Par Saint-Georges ! Historique. En fait, quand il veut me trancher de là à là, moi j'ai qu'à mettre le plat de mon épée. J'enroule, je prends. Il est vrai qu'il y a des gens qui ont peur de se faire mal au bras. Ça, on sait jamais. Alors là, ce qu'on fait. Non, mais celle-là, j'aime pas, moi. Ouais, mais bon, bah, on n'irait pas jusqu'au bout. D'accord. Enfin, presque. Allez, vas-y. C'est-à-dire, je te soufflerai pas au visage. J'ai mangé de l'ail, attends. Ah non, on fait ça, on attrape les quillons de l'arme. On positionne le pommeau de son arme face au visage de l'autre. On tient le quillon et on tire comme un malade. C'est tellement malade. Ouais, non, mais arrête, on s'en est filmé aujourd'hui. Donc. Pardon. Arrivons maintenant au moment où je vais le trancher en deux. Vous avez la fin. J'arrive comme ça, je fais ça. Tiens, prends ça. Oui, vous comprenez aisément que moi j'ai qu'à laisser tomber mon arme pour qu'il meure. Mais moi ça me détend. Ouais. Alors voilà ce qu'il aurait dû faire normalement. J'arrive, je fais ça, j'arme, tiens, prends ça. C'est bon, là, ça ils fait ont pas mal. Oh. Ça va trop vite, là, ils n'ont pas le temps de voir. Bah, vous regarderez le ralenti. La vidéo, tu vas voir, t'as eu chaud. Ouais, c'est pas mal ça. Non, vous voulez qu'on fasse le ralenti? Ouais, si vous voulez. Bon, bah, exceptionnellement pour vous. Alors, c'est vraiment pour vous, parce que j'aime pas bien, hein. Ouais. Au ralenti, je vois l'ours arriver, ça m'énerve. Il voit l'ours. Et encore, c'est mi-ours, mi-sanglier, celui-là. Ouais. Parfait. Ce bruitage. Bon, on va le faire, on va le faire. Allez, on y va. Oh. Vous comprenez? Là, je commence à avoir très peur. Oh non, pas l'ours. Attention. Et là, notez bien la démultiplication du bras. J'attrape le pommeau. Là, déjà, quand je le tords, là, s'il veut pas, tu lui pètes le poignet, il va lâcher. Ouais. Mais pour une... C'est bon, vous avez vu là? Non. Voilà. J'ai regardé au début. Bon. Il arrive le moment où on est désarmés tous les deux, c'est ça? Ouais, comme dans les films où il finit son pied au poing. Ouais. Ouais. Et aujourd'hui, c'est moi qui vais taper le premier. Non. Bon. Allez, vas-y alors. Arrête. Oui. Aïe. Alors, normalement, quand c'est le gros qui tape le petit il vole. T'as mangé encore toutes les crêpes de la moineau, c'est pas possible. Non, j'en ai laissé quelques-unes. Bah, t'as pas dû en laisser loin. Attends, tu t'es fait mal là. Oh, regarde mon doigt maintenant. Oh ouais, pauvre petit Didi. Oh non. Attends, quoi? Tu veux que je l'aide à se relever? Comment? En lui tirant un coup de pied dans le ventre. Mais ça va pas, non, regarde. Si je fais ça, il peut pas se relever, hein. Ah non, pardon, autant pour moi, c'était pas dans le ventre, mais où? Les fesses. Les fesses pour... Dans la tête? Qui c'est qui a dit ça? La dame qui a le chapeau là. Toi, tu vas voir quand je vais me lever. Tiens, regarde bien, si je lui donne un coup de pied dans la tête, regarde bien ce que ça va faire. Ça fait ça. Et il se relève pas, hein. C'est stupide. Écoutez. Ouh là là, regarde.
Ça fait beaucoup de vie, là. Ben, elle a dit merci, donc il vient de t'abandonner, Alain. Oui, oui, merci, j'ai deux effets là. Et t'as vu, je suis gentil, j'aurais pu te tuer là, mais j'ai pas voulu le faire. C'est bon, une touche pour toi. Tiens. Ben voilà, là c'est bon, t'es mort. Bon, ce qu'on regarde, ça fait 3 effets à 2. Hein. Oui, alors. Ça a été bref, hein. Hey! Hey! Dive! Jump! Ah! Ah! Ça! Jump! Ah! Touché! C'est bon, tu m'as touché, c'est bon.